Hello les sushis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode de Miku. Et donc, notre petite Miku, comment tu vas, ma belle? Ma belle, tu t'es levée vachement tôt, oui, pourquoi est-ce qu'on se lève tôt généralement? C'est tout simplement pour partir en vacances, voilà, j'avais très envie de faire partir ma petite chérie, ma petite soupinette en vacances, prendre des vacances, voilà. C'est vrai que j'irais bien avec Keito, en fait. La meuf qui hésite, mais tellement. Non, allez, je vais aller toute seule. On fera une fois des vacances avec toute la bande, vous inquiétez pas. Mais là, dans un premier temps, j'ai envie d'y aller toute seule. Voilà. On va se faire des barbecues, on va essayer d'un petit peu découvrir les rudiments des trucs, des herbes, là, où on peut... essayer peut-être de trouver des herbes nouvelles. Donc voilà, je vous reprends là-bas. Heureux, les sushis. Donc, on est arrivé, il est 14h du matin dans le jeu, à part en vrai, et j'ai loué cette petite maisonnette pour 4 jours. Donc voilà, on sera ici durant 4 jours, découvrons un petit peu les lieux. Donc nous avons donc évier, frigo, nous avons un petit endroit pour lire un petit peu, nous avons un petit coin télé, une petite garde-robe et aussi nous avons une toute petite salle de bain. Et la douche est à l'extérieur, d'accord, ok. Et pas de problème, hein, pas de souci. Donc il est encore tôt, je vais encore un tout petit peu rester à l'intérieur parce que je sais pas si c'est... Voilà, un tout petit peu rester. Nous, on va garder un petit peu les environs comme ça. Donc, déjà, la truc ici est franchement chouette, la petite rivière. Juste à côté, c'est très très cool. Il me semble qu'on a des voisins dans le bungalow à côté. C'est qui? C'est Katrina Caliente, c'est la famille Caliente, d'accord, ok. Ok, d'accord, la famille Caliente, là nous avons... Ah, le garde-chasse qui vient. Oh, il vient frapper à notre porte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va lui parler, hein, présentation amicale. Bonjour les amis, je suis Vincent, votre gentil garde forestier. Je sais un tas de choses sur le camping, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me voir. Donc voilà, je vais aller lui parler. Salut! Bon bah on n'a pas trop son... On n'a pas trop... Demander des informations sur le camping. Voilà, on va faire ça. Il est... Oh purée, il est kleptomane, joyeux et adore la nature. D'accord, ok. Il est tellement d'insectes avec... Ok. Ouvrez l'œil, d'accord. On peut découvrir des insectes. Bon, tant que tu piques pas mes trucs chez moi, moi ça me va. Demandez comment s'est passée la journée. Même si on n'est que le matin, hein. Discuter de techniques d'entraînement. On va un peu discuter avec lui. Ouais, c'est aussi regarde, on fait tout, voilà, hop. Amical. Y a pas un truc genre... faire connaissance, voilà. Ah, d'accord, ok. On va s'asseoir, on va un petit peu, tout petit peu faire connaissance avec lui. Ah, si on peut même en faire un ami, ça peut être chouette, même s'il est kleptomane, voilà. C'est pas un drame. Autre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Conversation profonde, on discute un petit peu avec lui. Il papote un peu avec lui. Voilà, une histoire drôle. Ouais, non, ça va, c'est cool. C'est très très cool. Hop, est-ce qu'il est dans le centre d'intérêt. C'est un peu plus sur ce qu'il aime. Il est cute, même si j'ai une... Ah non, il est mono-sourcil. Oh, chouchou, s'il te plaît, coupe-toi les... Oh là 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 là.
Oh là 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 là. Désolée les gars, je n'ai rien contre les gens qui sont mono-sourcils, mais moi je ne trouve pas ça joli. C'est mon goût à moi. C'est mon goût à moi. Voilà. Moi je m'épile les sourcils personnellement. Même si je ne suis pas spécialement mono-sourcils, mais voilà. J'aime pas quand il y a... J'aime pas trop quand c'est hirsute, donc voilà. Oh, il a piqué mon PQ! Il a piqué mon rouleau de PQ! Non, tu dégages, il a piqué mon rouleau de PQ! Moi, je m'essuie le cul comment? Avec des feuilles d'eucalyptus ou du bambou? Enfin, je sais pas, non, tu dégages. Tu dégages! Oui, c'est ça. Oh, le mec, quoi, il vient chez... Il pique, il m'a piqué mon rouleau de PQ, quoi. Ah, mais genre, c'est normal. Dégage, purée! Ah! Ah, je vous jure, ça... Ah, ça, c'est relou. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, tiens, récolter des produits, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a pour une plante? Qu'est-ce qu'on a récupéré? Je regarde. Fruits non identifiés. Et s'identifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a quand même pas mal de quelques points. C'est quoi? Ok, elle a pris un... Ok, d'accord. Bah, essayer d'identifier, je vais essayer d'identifier tout le... Ok. Donc déjà, elle a pris la... Donc... Ce sont des baies de sureau. Donc on a des baies de sureau. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qu'on pourrait avoir? Oh, c'est mignon ce petit coin-là. C'est chou. Ça, c'est quoi? Ça, regardez. C'est quoi? Oh, ça, c'est de la camomille. Récolter les produits. Moi, je prends tout à moi. Comme ça, j'en replante chez moi. C'est quoi, ça? Attendez. Hop. Ah, elle bouffe les fleurs. Ça fait quoi? De la camomille, c'est super. Ah, c'est la camomille, les gars. Je vais vous donner un conseil. Si vous, vous êtes nerveux comme moi, je vous avais déjà pu remarquer quand je fais des facecams que parfois je tremblote un petit peu. C'est parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très nerveux. Je suis continuellement nerveuse. Hein, continuellement, H24, il n'y a pas... Enfin, voilà. Non, voilà, ça, c'est moi. Ça, on est tous différents. Et le truc qu'il y a, c'est que... ben, moi, je bois de temps en temps, je bois une camomille le soir. Et ça me fait du bien. Ça m'apaise un petit peu, et donc voilà, c'est un conseil que je donne à ceux d'entre vous qui sont très nerveux. Ça c'est quoi? Des fraises. D'accord. Oh là là. Est-ce que je peux faire un truc? Une pommade anti-insecte. Il me faut des baies de sureau nocives, du basilic et des baies de sureau nocives. D'accord. Oula, il y a une petite truc. Hop, je vais creuser pour la choper. Donc oui, on va essayer. Donc en fait, notre objectif durant ces vacances va être de choper un max de petites plantes pour nous pouvoir les utiliser chez nous, donc les planter chez nous. Et aussi pour pouvoir et aussi donc se faire des amis, comme j'avais dit. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai? Oh, une carte au trésor. Oups, voilà. Donc on va s'identifier ce fruit-ci. Mange peut-être pas ça. Des baies de sureau nocives. Donc j'ai de quoi en faire. J'ai de quoi faire de la pommade anti-insecte. Donc je vais faire ça. Parce que j'ai vu qu'elle se grattait. Crème désodorisante, fraise, persil et baies de sureau. Hop, on va faire une pommade anti-insecte. Déjà, ça peut être vachement cool. Ah non, ça j'aime bien. Ça j'aime franchement bien. Voilà, on a une pommade anti-insecte. Est-ce que je peux en refaire, vous pensez? Hop, je vais en refaire encore. Donc voilà, en théorie, c'est une pommade qui repousse les insectes, donc ça peut être bien. Et aussi, je vais me griller des petites... je vais me griller un petit truc à manger. Je vais me griller quoi? Pomme de terre en robe des champs. Ça, c'est super bon, ça. Hops. Hops. Ce petit cadre magnifique. Ah, ceci, c'est le cadre parfait pour une petite miniature de vidéo, ça, les amis. Hop.
Voilà, hop. Voilà, hop. Donc, voilà, on a des petites pommes de terre en robe des champs. Voilà, ça c'est cool. C'est quoi ça? Manger repas rapide, ok, prendre des boissons. Oh les gars, ça me donne tellement envie de prendre une portion, voilà. Ça me donne tellement envie de m'aller dans la nature. Cinda m'entendrait, il se moquerait de moi, je vous promets. Je vous promets. Désolé les gars, je suis en train de boire un café. Et ça nous nourrit bien, l'air de rien. Ça nous nourrit bien, ce petit merdier. Ah bah... Ouah, ça c'est cool, hein. Bon, je vais aller pisser. Le fait qu'il m'ait piqué mon PQ, ça m'embête quand même, hein. Voilà, je vous le dis, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. J'aurais bien voulu qu'il ne me vole pas mon papier toilette. Ça se fait pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, ce bordel, ici. Il y a un ours! C'est un vrai ours? Attendez, hop. Ah non, c'est un mec déguisé en ours. D'accord. Oh, bah moi, je vais aller parler au mec qui est déguisé en ours, voilà. Présentation amicale, moi, j'aime bien. Hop. Moi, je vais parler à l'ours. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Déteste les enfants. Oh, mince. Mais alors, mais pourquoi t'es... Allez, allez, tu vas pas bien. T'es pas bien. Non? C'est vraiment dans ton caractère de pas aimer les enfants. Mais pourquoi tu t'es déguisé en ours? Pourquoi tu t'es déguisé en mascotte si c'est pour détester les enfants? Je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des cochonneries avec l'ours. Non, allez, peut-être pas. Non, non, pas avec elle. Pas avec elle. Pas avec elle. Je ferai ça. Je ferai notre site de toute façon, à mon avis, où des Sims pourront... Oh, donne! Où des Sims pourront aller en vacances. Donc voilà, on va pas faire ça avec Miku, hein. Ça le ferait quand même pas, hein. Mais ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être marrant. Mais oh, reviens! Reviens! Ah, il va chez moi. Ben non. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas. Je sais pas. Qui es-tu, toi? Oh, la femme truc. Bon, moi, je vais pêcher. Allez, pêcher un petit peu. On va profiter de ces 4 jours en... Revoir notre vol de papier toilette. Hein. On va profiter de ces 4 jours en... Dans la nature pour faire plein de choses différentes de ce que nous faisons d'habitude. Est-ce qu'on a eu des bons poissons? J'ai attrapé des fraises dans l'eau. C'est tout à fait logique, mes amis. Ceci est tout à fait logique. Bon, on va essayer de se faire amis avec les gens quand même, hein. Attends, madame, revenez. Je veux discuter avec vous. Je vais complimenter votre beauté refaite très sincèrement. Sincèrement, votre chirurgien a fait un taf de malade. Tu sais qu'elle est dans l'autre sens. Vas-y, parle un peu avec elle. On va essayer de se faire un minimum pote avec... avec cette dame. Une blague sur les vampires, est-ce que c'est la paix dans le monde? Ah mais c'est vrai, elle est pas gentille, je crois. Je crois qu'elle est malveillante, un truc du genre, non? Je sais plus. Je ne sais absolument plus.
hop, on s'enseigne sur la carrière. On va essayer de se faire amie avec elle, ouais. Même si c'est pas vraiment de notre... de notre genre de personnes qu'on fréquente habituellement, voilà. En vacances, on se lâche un peu plus, on fait comme un peu de tout. Je sais pas si vous avez remarqué. Allez, on va quand même éliminer sa journée. Hein. Ma femme de malfrat. What? Snob ambitieuse matérialiste. D'accord, ok. Discuter des méthodes cognitives. Ouais, on va essayer d'être pote avec elle, ouais, c'est bien. Allez, hop, c'est objectif là maintenant. Être pote avec cette femme. Même si c'est pas le truc qu'on pourrait avoir habituellement. Hop, on va essayer de faire une petite blague. Conversation profonde. Elle est concentrée. What? Hop, on fait connaissance. Voilà. Oh, il y a peut-être moyen d'avoir des grenouilles un peu spéciales, peut-être, là. Par contre, la carte au trésor, il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'on pourra... Ah, voilà, 10e amie, ça, c'est super. Ah, là, t'es sympa, là, avec elle. Des bla 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 comme ça. Ça va lui faire plaisir, tiens. Bon, on ferait ça au nez, je serais pas heureuse. Bon. Vous voyez que c'est de son groupe préféré. Vous savez quoi? J'ai même très envie qu'on se, qu'on s'asseoir et discuter ici. Je vais lui proposer ça. Voilà. Hop. On va même allumer un feu. Allumer. On va même... hop. Ah bah bon, d'accord, ok, elle se barre, d'accord. D'accord, ok, c'est pas grave, on va profiter de ça tranquillou. Hein. Donc on va faire griller des guimauves, voilà. On va faire griller des bonnes petites guimauves. Tu fais juste griller ton bâton là, il n'y a rien au bout, je te préviens déjà. Y a pas de guimauve sur ton... Ah! Pourquoi il apparaît 3000 ans après la guerre, la guimauve? Si je zoome. Non, y a pas de guimauve. C'est chelou! Y a pas de guimauve! C'est une guimauve fantôme! Appelez Gus DX! te crame pas, s'il te plaît. Ça serait bien que tu ne te crames pas. Qu'est-ce que ça donne? Miam une guimauve, raison de manger une guimauve, rien de mieux que des guimauves dorées parfaitement grillées. 4 heures. Ah, oh, c'est mes 4 heures bien-être. Trouver une nouvelle grenouille, d'accord, ok. Ah, tu t'es cramé la bouche, bah oui, mais t'étais un peu con aussi. Bon, elle veut trouver une nouvelle grenouille, moi je vais trouver sa grenouille, voilà. Hop. Si c'est un souhait, moi je me dis que ça peut être bien. Moi j'aimerais bien aussi avoir plein de points pour lui acheter plein de... Plein de récompenses, de trucs différentes. Ouais. Grenouille tire. What? Allumer un feu de camp. Trouver un nouveau fossile. What? Bon, hop, moi je vais faire ça. Je vais l'éteindre et le rallumer. Si ça peut donner des points, moi ça me va. Hop, allumer. Et voilà. Raconte sur deux groupes. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû venir... je n'ai pas envie. J'ai pas envie, je suis en vacances en pleine nature, c'est trop cool. Jouer avec. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ça se trouve, on va prendre feu. Je sais pas si c'est une bonne idée, ouais. Je maîtrise le feu. Vraiment ça. Vraiment trop ça. Par contre, je vois que la mise est fatiguée, donc hops. Éteins-moi ça.
Hop, et elle est confiante. Elle a joué avec le feu, la meuf, elle est contente. Elle, ah, j'ai joué avec le feu, c'est trop cool. Oh là là, hop. On va dormir. Bien les amis, moi je vais vous laisser ici avec cet épisode. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à commenter, mais aussi eh bien, à vous abonner si vous venez de me découvrir. Voilà, je fais plein d'autres séries sur les Sims 4. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.